Alors bonsoir, comme d'habitude le samedi soir, on va faire des mots croisés. Alors, je vais commencer par Momo. Voilà. Voilà. Alors, on cadre bien. Ça a l'air d'aller là, oui. C'est bon, non, c'est pas bon. Ça a l'air d'aller là. Alors, le travail lui court après. Merde. C'est chiant ça. Tout cas, c'est pas moi. Il me court pas après le travail. Est-ce que ça va là? Non, ça va pas. Là, ça a l'air. Oh, putain. Là, ça a l'air d'aller. Ok, donc le travail, le cours après. L'important, c'est la rose. Jean Demain, Guillaume Delorice, la rose, le roman de la rose. Roman? Non. Accro à la tunique. Aide à la lecture. Bourgeonnement. Anti-blocage. Alors c'est ABS. Là ça va. Ça va. Aide à la lecture. Voiture pour cavale. Voiture pour cavale. De la Turquie à la Sibérie, Asie. Mettre un petit sion quelque part. Protège la table, 7. Essaya de supprimer Napoléon le Petit. Alenti, Herse. Orgue, non, je sais pas. Voiture pour cavale. Reprendre du service. Début de série, alors ça peut être 1, on va mettre 1. Paresseux et bête. Eh, haï. Le Bradip. Barrage brésilien. Ces vers sont effrayants. Ces vers sont effrayants. Ces vers sont effrayants. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors ça, c'est une réponse normande, ça, normalement, mais... Dans le 62, ok, bon, ça, je sais pas. Son palindrome n'en sort pas. Palindrome. Le sas. Et ventre. Tiens, est-ce que ça m'aide? Fait 3900. Ah. Plastronnet. Sont impossibles à digérer. Bon, j'ai pas. Et ventre donc. Dans l'eau et dans l'air. Sorte de pan. Important pour la une. Donner une assurance perdue. Entre la Terre et le satellite. Géostationnaire, non. Donc, qu'est-ce que ça peut être, entre la Terre et le satellite? Blanchit les peaux. Urée, peut-être? Je vais mettre urée, mais en pas sûr. Si c'est dans l'urine, parce que l'urine, ça permet de... C'était utilisé pendant longtemps pour teindre les diaphragmes. Œil? Non.
centre de camp, bon. Donc du Maghreb. Algérienne peut-être, marocaine. Bon, je vais essayer. Algérienne. Hein, ça peut rentrer, mais... Non, c'est pas bon. Alors, marocaine. Non, ça va pas. Tunisienne. Non, ça va pas. Enfin, bon. Bon, il n'y a rien qui dit que c'est un S ici. Donc, on l'enlève. Qu'on lui foute la paix, ONU. Avant Ein. Einzweidrei. Ne permet pas aux cicatrices de se refermer. Infection, non. Ne permettent pas. Malraux dans l'intimité, peut-être. Dédé, ce qui s'appelait André. Spoilera. Spoliera. Lésera. Non. Bon, tant pis. On peut mettre ça. Hein. Ils attaquent les dents. Célèbre col de l'utérus revigore. Je n'ai pas. Note. Bon, bah ça, c'est pour plus tard. Hein. Nouvelle télé. Qu'est-ce que ça peut être, nouvelle télé? TNT peut-être? Ah, ça date de quand? Elle date de quand cette grille? 2008? Allez, je mets TNT. Caisse. Bon, je vais le mettre en pas sûr. Ça, si c'est TNT, ça pose problème parce qu'il ne faut pas mettre quelque chose qui laisse entendre que c'est récent ou neuf. Superwoman, phonétique. Ne plus être noir. Blanchir. Chir, non. Attends, ne plus être noir, oui. Divertir, amuser. Pas d'ici. Est-ce que ça serait en tartre? Mettre du tartre? Je sais pas. Bout du monde, alors c'est l'Uruguay ou Ushuaïa? Lucarne jaune. Agrément londonien. Yes. Ah, alors là, Chardonnay, peut-être Bob Dylan français. Johnny Hallyday. Non. Comment on écrit Johnny Hallyday? Faut que je regarde comment on écrit Johnny Hallyday. Il me semble que ça rentre pas, mais alors, Johnny Hallyday. Oui, plus sur Y, A2L, non, c'est pas. Hello! Welcome. Alors, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Lucarne jaune.
gardera pour lui Terra. Vieux déchaînement Ir. Ont des apparences glacées. Caisse. Donc réel. 4 quarts 1. Sorte de carte. Je sais pas. Mesure calorifique anglaise. Porte Balti. Allez, donc ça doit être en tartrage là. Ont des apparences glacées. Et c'est test. Mesure de champ art. Chrétien chez les Turcs. Ouvert béant. Gâté. Ventilé aéré. Est-ce que c'est... Non, ça peut pas être laïque. L'aigle noir. Pas corbeau. Gaz rare. Ouais, mais ça, j'ai pas. Recadre. Ok, bon. I'm fine. Attends. Petite seconde. Alors, il faut que je cherche la bonne langue. Bah merde, il veut pas me traduire, détecter la langue. Ah merde, oui. En polonais, voilà. Je parle polonais là. par le Google Translate. Lieu d'une bataille de roi. Belote, non. Et Austerlitz, c'est la bataille des trois empereurs, je crois, mais. Cinérèse. Sortie de carte. Ah, peut-être RT. Peintre et graveur français, alors ça. Sac à ferraille. Porte-monnaie, non? M-O-N-N-A-I-E. Allez hop, on va mettre porte-monnaie. Même si j'ai l'impression qu'il dit que quand c'est en plusieurs mots. Donc réel. Élu saint. La déesse de la fertilité. Petite boîte, je ne sais pas. Dessinée par... Dessinée par de Lesseps. Je ne sais pas. Éolienne. Donc, porte-monnaie a l'air d'être bon. Hein. Ah, ok, attends. Alors, attends... Alors, où il est mon... hop.
Comme... Alors, je suis très surpris là. Il me dit bonjour à Claudine. Je comprends pas là. Comment il sait que... Attends, je comprends pas là, Claudina. Comment... Mais je comprends pas ce qui est... Parce que... Attends. Salut, Ginny. Salut, Ginny, ça va? Ah oui, moi ça va. T'as réussi à te lever sans problème la dernière fois? Dialecte gitan, j'ai pas. Ah bah, comme t'arrives, on va repartir depuis le début. Ah, tu dors pas? Bah, c'est comme moi. Hein. Même si cet après-midi, j'ai dormi 1 heure et demie parce que là, j'avais tiré un peu trop. Mais je dors en général. Bah, je me couche de plus tard. Je me couche facilement tard. Et bah, je me réveille toujours à la même heure. Donc, voilà. Donc, je dors 4 heures, 5 heures. Alors, le travail lui court après. Deux mots. Le travail, c'est la santé. Est-ce qu'il y a une chanson qui. Est-ce qu'il y a une chanson ou un texte qui parle de que le travail, enfin je sais pas. L'important c'est la rose. Il y a la chanson de Guy Béard, je crois. Non. L'important c'est la rose. L'important. Non, attends, non, c'est pas Guy Béard. Ah, je sais plus. Tu dors par bloc d'une heure et demie à 2 heures, d'accord, ouais. Comme les marins. Enfin, les marins c'est plus court. Des micro-siestes qu'ils font. Accro à la tunique. Crêpe fourrée. Ah ben ça, je pense que c'est une... C'est asiatique. C'est asiatique. Crêpe fourrée. Important, c'est la... Putain, elle... Alors, il y a. C'est pas Serge Lama? Oui, il est NEM. Ah putain, je. C'est pas Serge Lama. Non. C'est Aznavour, non? Oh putain, il faut absolument que je le sache. L'important. C'est la rose, c'est Gilbert Bécaud, voilà. Bécaud. Salut les champions. Alors, il faut que je retrouve. Oui, c'est. Ouais, Beko, putain, je ne retrouvais pas. Parce que moi, ça, c'est mon enfance, ça, les chanteurs-là, Guy Béard, Gilbert Beko et tout ça. Donc, alors, attends, est-ce que ça rentre? Voilà, on va essayer. Hein. Fuite si en rupture. Ah. Alors là, c'est une expression. C'est être en rupture de. Ce mot-là. C'est assez ancien. Ça n'a pas trop de sens aujourd'hui. Je sais pas comment donner d'indice là. Alors ça, je sais pas. Plastronnais. Sont impossibles à gérer. Et abuse. Ouais, bon, ça c'est facile. Ça va bien, super échec? Ça faisait quelques temps que je t'avais pas vu. Ouais, use.
Alors ici, bourgeonnement. Ah, t'as trop dormi cet après-midi? Ah. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça ressemble à une réponse normande, mais je ne vois pas comment ça peut rentrer. Ici, c'est pas sûr. C'est le début de série, ça peut être plusieurs choses. Hein. Bon, alors on continue. Tiens, c'est quoi là? Voiture pour cavale. L'aigle noir. Ah oui. Alors attends, je sais plus où c'est. Ici, là. Évidemment, bah c'est con parce que je connais, puis j'ai pas pensé. Oh, je l'avais en tête en plus, l'aigle noir, je l'avais en tête. Ah, tiens, ça, je connais pas. Je l'avais en tête et non. Donc là, ici, Bob Dylan français. Alors, il a fait une grille spéciale de chanteurs. Il y en a peut-être un autre ici, non? Peintre et graveur, non. Aide à la lecture. Article. Thérapeute. Ah, ça, j'ai déjà vu ça. Ça doit être de l'argile, quelque chose, mais je sais plus comment c'est. Recharger son sonotone. Reprendre du service. Ah, bon, déjà, il y a reprendre. On peut avoir. Sans même connaître, on peut trouver quelque chose. Ici, là, qu'est-ce que tu mettrais, qu'est-ce que vous mettriez? RE, oui. Alors, ER, oui, ER, oui. Donc là, RE, parce que reprendre, ça veut dire c'est à nouveau, et donc il y a de fortes chances que ça soit RE quelque chose. Et en général, on parle de l'armée. Ouais, c'est quand on met des choses les unes sur les autres, on les en. Merde, putain. Bon, EES là, quoique là. Réempiler. Notamment pour l'armée. C'est étrange là. C'est étrange ici là. J'ai enlevé, mais. Ah non. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. A priori, c'est pas ça. Non, c'est rempiler. C'est rempiler. Je faisais une. Oui, c'est rempiler. C'est pas réempiler. Je faisais une erreur. Et c'est pas ça. Reprendre du service. T'es rassuré. Oui. Alors voilà, c'est le type de. Rassu. C'est le type de définition que je n'aime pas. Ou. T'as assuré et rassuré. J'aime pas. C'est un peu feignant. C'est un peu feignant de faire des définitions comme ça. Diaphragme. Alors. Merde. En plus, c'était. J'étais sur réempiler alors qu'en fait, c'était rempiler auquel je pensais. Début de série. Bon, bah, ça peut être plusieurs choses. Essayer de supprimer Napoléon le Petit. Mais je vois pas du tout de nom de. Pourquoi Napoléon le Petit? Dans l'eau et dans l'air, j'ai pas. Important pour la une. Bon, ça doit. J'ai mis sas, mais j'en suis pas sûr. Pourtant, ça a l'air de répondre, mais là, normalement, je mettrais ça. Je mettrais ça. Donc, je vais enlever ça. Ok, bon, ça y est. Quand on place trône,
c'est fanfaronné, quand on s'attribue des mérites qu'on n'a pas forcément ou on les monte en épingle. Tu vois pas? Bah c'est une partie, pense à une partie du corps humain. Peut-être que ça t'aidera. Est-ce que tu connais un plastron? Voilà, crâné. Enfin, crâné, mieux prononcé. Par contre, là, je ne comprends pas. Son palindrome n'en sort pas. Là, j'imagine le. Ah, alors, c'est une connerie là, c'est pas un palindrome, c'est une erreur. C'est un mot qui se lit autrement dans un sens que dans. Là, il sait pas ce que c'est qu'un palindrome. Noël et Léon, ce ne sont pas des palindromes. Donc là, c'est une école, c'est des initiales, et puis là, c'est un animal dans l'autre sens. Voilà, Anne et Anna. Donc son palindrome n'en sort pas, c'est l'ENA. Et son palindrome, entre guillemets, parce que c'est pas ça, n'en sort pas, c'est un âne. C'est pas un palindrome, c'est comme Noël et Léon, ça ne forme pas un palindrome. Sauf s'il s'appelle Léon Noël, ça, là ça devient un palindrome. Mais Noël et Léon, Noël n'est pas le palindrome de Léon. Les palindromes, c'est des mots qui se lisent de la même manière dans les deux sens. Par exemple, Laval, mais pas ça. Alors ça, je sais pas, le truc suisse là, sont impossibles à gérer. Début de série dans le 62 et ventre dans l'OLR important pour la une. Alors là, qu'est-ce que ça peut être pour la une à part la chaîne, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Il y a la une des journaux. Entre la Terre et le satellite. Bon là j'ai mis huré parce que blanchi les peaux. Ah non, c'est pas ça. Je pense que c'est pas ça. Non, je vais l'enlever. Parce que normalement, les tissus dans l'Antiquité étaient teints grâce à l'urine. D'où le proverbe l'argent n'a pas d'odeur. Est-ce que tu connais. Vous connaissez l'anecdote, ça? L'argent n'a pas d'odeur? Iris. Ah, bon, je viens de le dire, Iris, désolé. Non. Alors, il y a Vespasien, et le nom est important, il a mis une taxe sur l'urine, parce qu'il y avait des amphores ou je ne sais pas quoi, où les gens pouvaient pisser dedans, et cette urine était récupérée pour teindre les tissus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit Vespasienne, pour des pissotières ou des urinoirs. Et donc, l'urée, je crois que c'est l'urée qui est dans l'urine qui permet de faciliter la teinte des vêtements, des tissus. Je vais essayer de chercher un truc. Pour le moment, je n'ai pas trop cherché. Vespasien. Et donc, l'argent n'a pas d'odeur parce qu'il y a un. Il y a quelqu'un qui lui faisait remarquer qu'il faisait de l'argent grâce à l'urine et lui a dit bah, l'argent n'a pas d'odeur parce que voilà et c'est de là que attends, je vais essayer, c'est de là que vient l'expression. D'ailleurs je trouve que c'est pas mal. Alors il y a des limites à cette expression mais alors,
Environ 70 ans après le début de notre ère, le nouveau souverain devait trouver un moyen rapide de renflouer les caisses de l'Empire complètement vidées par son prédécesseur Néron. Vespasien eut l'idée de mettre en place un certain nombre de taxes, c'est la chrysargyre qui marqua durablement les esprits. Touchant l'industrie et le commerce, cet impôt se trouva aussi appliqué à la collecte d'urine. Voilà, une mesure qui lui valut un grand nombre de moqueries. Vespasien aurait, selon certains, déclaré pecunia non olet, c'est-à-dire l'argent n'a pas d'odeur. Voilà. Donc c'est moi j'aime bien cette anecdote. Ouais, là j'ai mis Iris, je l'avais dit, donc je l'ai mis. Bon, alors on en est là. Mais je ne sais pas si t'es comme moi, mais j'ai l'impression que il y a une perte de vitesse au niveau des expressions, c'est-à-dire que les jeunes n'utilisent plus d'expressions, ne les comprennent pas. Il y a une disparition des expressions. Ah, bah donc c'est peut-être celui auquel je pensais. Là c'est une habitante du Maghreb. Enfin, des habitantes du Maghreb, je dirais. Ils ne comprennent pas, et le peu qu'ils utilisent, ils le font. Oui. Bon, mais en même temps, tu as des expressions qui sont devenues tellement mal utilisées. Par exemple, tirer les marrons du feu, bah, contrairement, c'est le vrai sens, c'est le contraire du sens qu'on utilise. Parce que celui qui tirait les marrons du feu, il se brûlait, et c'est les autres qui en bénéficiaient. Or, aujourd'hui, on l'utilise, c'est celui qui tire les marrons du feu qui bénéficie de la chose. Tu travailles avec des jeunes? D'accord, ouais. Ouais, non, mais ils sont de moins en moins cultivés, hein, ça, c'est affolant. Et évidemment, ça fait vieux con de dire ça, mais c'est. Bah, moi, c'est ce que je considère.